Ça va? Si tu veux, tu peux poser tes affaires sur le canapé. Ouais. D'accélérateur de particules, l'association qui organise la Guinée ce soir, mais c'est quelque chose qui existe depuis déjà 2 ans à Rennes, et c'est Johanna qui fait tout ça à Rennes. Pourquoi nous sommes là? Pour manger ensemble, pour passer un bon moment ensemble et pour se voir présenter 3 projets d'artistes. Donc au fil du repas, les artistes vont nous présenter leurs projets et à la fin de ce repas, on votera pour en élire un qui se verra attribuer un soutien de 500 euros pour réaliser son projet. Voilà les grandes lignes de ce soir. Je tiens à préciser qu'on a travaillé en étroit partenariat avec Sonia et Olivier qui nous ont fait le repas. Ils vous diront un tout petit mot plus tard. On est accueillis au Bastion. Merci pour le soutien de la ville de Strasbourg et spécialement dans l'atelier d'Emmanuel Giora et Fantine Andrès. Emmanuel est là. Elle se cache, elle est là. Voilà. Donc merci parce que l'idée c'est d'être à chaque fois dans un lieu insolite et plus ou moins lié à la création, donc là on y est à fond. Voilà, un micro-mot de Sonia qui nous a préparé le repas. Avec Olivier qui est là tout au bout. Et ouais, on est vêtu de couleur parce qu'aujourd'hui on vous propose un repas autour de la couleur tout simplement parce qu'il fait moche et on s'est dit que ce serait sympa. Donc on espère que vous découvrirez, vous arriverez à trouver les saveurs qu'on a placées dans les couleurs qui sont toutes naturelles sauf le bleu qui est derrière vous. Donc cet apéritif entrée est à manger avec les doigts, donc on vous laissera casser les galettes de blé et les garnir de purée à votre convenance. Et le plat c'est un plat végétarien mais qui fait aussi référence à un jeu de couleurs et d'association de goûts. Donc avant de le manger, on vous demandera de placer les lunettes qui sont en dessous des verres. Donc on vous demandera de placer ces lunettes-ci pour déguster le plat et surtout ne pas tricher et essayer de aussi découvrir les saveurs que vous imaginez par rapport à la couleur que vous voyez, qui n'est pas forcément la bonne. Voilà, donc c'est un jeu de couleurs. Et le dessert servira en fait à élire aussi, grâce à un jeu de couleurs, la personne qui désignera l'heureux élu de la soirée. Donc quelque chose de magique sera placé dans les desserts, donc on n'en dit pas plus. Voilà. Donc moi c'est Vincent Godot, je suis artiste et aussi illustrateur. Donc voilà un exemple de mon premier livre qui va sortir au mois de mars, avec des réalisations en pop-up. Là. Ça montre quelques pages. J'avais pensé ça pour un prochain livre en pop-up, donc un arbre dont les couleurs changent au fil des saisons. Bon, c'est juste une sorte de maquette, et puis en y réfléchissant bien, ça m'a semblé plus intéressant de le faire à taille humaine, qu'on soit confronté à cet arbre-là et qu'on le voit tourner tout doucement. Et donc finalement, c'est devenu une sculpture. Donc il y a une photo là, il y a un grand disque qui tourne avec un moteur derrière, des tonnes de petites gommettes qui font les points de couleur que j'avais fait au feutre à la base. Et donc on voit comme ça très très lentement les saisons qui passent avec les couleurs qui se modifient. Et pour un autre, donc ça c'était exposé à Nuit Blanche à Mayenne, donc il y a quelques mois, là, en octobre. Un an plus tôt, j'avais travaillé sur des arbres fabriqués en papier qui reprennent un peu le système des rouleaux qu'on trouve dans les garages pour laver ses voitures. Donc j'ai ramené un morceau de la pièce ici. C'est juste des franges en papier, donc quand ça tourne, normalement il y a un moteur, mais ça prend en forme de sapin. Il y a des photos ici qui seront peut-être plus représentatives.
J'arrive pas à le faire tourner aussi vite qu'un moteur. Donc voilà, mon travail s'articule entre sculpture et dessin. Et le projet que je vous présente ce soir, c'est donc une exposition qui mêlerait ces deux médiums, donc une exposition enfin impersonnelle avec des créations à la fois passées et des projets dont je vais vous parler plus tard, qui ne sont pas encore réalisés. Ça s'appellerait donc Naturellement. Cette exposition rassemblerait donc diverses créations autour de la représentation de la forêt et des arbres. Et donc il y aura ces deux installations dont je viens de vous parler, plus une série de dessins qui serait la continuité de ce que j'ai fait pour la passerelle. C'est très élégant. C'est un projet sur un très très long terme qui est une recherche sur le deuil. Pas avant, pas après ce moment où on apprend un deuil, un décès ou une perte qui peut être infime mais qui peut compter beaucoup. Donc il n'y a pas de jugement sur ce deuil. Un enfant qui perd un objet, ça peut être tout aussi dramatique qu'une perte, etc. C'est pour ça que j'ai choisi ce terme anglais « the loss » qui englobe toutes ces possibilités de perte qui soient infimes ou dramatique d'un point de vue sociétal ou je souhaite réaliser, grâce à votre soutien, une sculpture qui s'intitule La Balise. C'est un projet qui traite à la fois du temps, de la mémoire et de la matière. Très concrètement, il s'agit de mouler un tronc d'arbre pétrifié et d'en tirer un ou plusieurs exemplaires en bois reconstitué ou aggloméré. Il s'agit quelque part de revenir à la matière originelle du tronc. Pouvait amener des gens qui sont loin du milieu de l'art à se concentrer beaucoup plus justement sur les projets, à se poser des questions qui ne se poseraient pas habituellement juste en regard. Ils sont plus impliqués. Voilà, ils sont plus impliqués. C'est bon. La performance 10 minutes. Essayez d'associer.
Vous avez eu un menu chacun, donc cette chose pliée. Dedans, normalement, si vous le retrouvez, il y a un petit bulletin blanc. Donc vous êtes invité à mettre dessus, à marquer dessus soit Jeanne Berger, soit Vincent Baudot, soit Skander Zouaoui. Il y a le nom des artistes dans le truc. Ouais, et les noms des artistes sont marqués sur les menus. Donc s'il vous plaît, remplissez chacun un bulletin. Si vous n'en avez pas ou si vous ne le retrouvez plus, Camille en a. Et ensuite, vous êtes invité à venir les déposer dans cette soupière. Là, qui est là. Ensuite, nous allons nous compter les votes. Et une personne annoncera le résultat. Donc effectivement, dans vos desserts, juste un peu d'affusion, ouais. Dans vos desserts, il y avait un élément caché qui va donner le droit à la personne qui a eu cet élément caché de révéler le nom de l'artiste qui a remporté le plus. Ça n'a pas fonctionné. Qui a remporté le plus de voix. Non, qui n'a pas été mangé, c'est certainement la dessus. Ah, c'est lui. Donc la dessus reconnaissable, c'est votre langue. Donc s'il vous plaît, tirez la langue pour reconnaître une langue bleue. Qui a la langue bleue? Non, mais c'est vrai. Je ne suis pas sûr pour le bleu. Mais on était moins. Il avait le blanc, mais ça va. Quelle est la langue? Ah, là, il y a une langue bleue. Ouais. Non, elle est bleue. Non, elle est bleue. Elle est bleue. C'est la langue. C'est bleu bleu. Alex, t'as pas mangé, tu peux pas avoir la langue bleue. Je peux quand même marcher dans la rue. C'est Skander Zouaoui. Merci beaucoup. Je suis très content. Merci beaucoup. Merci à tous. Non mais c'est génial. Du coup, je vais pouvoir réaliser ce projet, je l'espère, le plus rapidement possible. J'enverrai des photos, des choses, vous pourrez les suivre sur le site d'Accélérateur. Donc, merci Accélérateur pour cette belle initiative. C'est vraiment un projet intéressant et puis c'était vraiment un moment agréable aussi que de bavarder avec vous tous et puis de manger ce repas qui était très sympa, qui a été l'occasion de plein de petites investigations culinaires. C'était, voilà, merci beaucoup. Merci.